le manuel de production de semences, les semences de Coco Pelli. L'auteur, depuis 13 ans maintenant, Dominique Guillet. On en est à l'édition 2013, donc la 12e édition, 848 pages, 1300 photos, tout est en couleur, merveilleux. Donc 5000 exemplaires à chaque fois, 13e édition, donc 65e 1000. Livre où on retrouve histoire, botanique, nutrition de chacune des espèces. Et après on décline toutes les variétés et surtout, surtout comment on refait sa propre semence soi-même. Donc si on résume de manière un peu simple, on va dire que c'est un manuel d'utilisation à usage familial pour refaire sa propre semence soi-même à la maison, donc avoir une autonomie semencière. Et ce qu'on dit souvent pour les amis de l'hémisphère sud, donc autonomie semencière égale sécurité alimentaire. Donc ce manuel est très très important pour toute la planète. Donc je peux vous faire voir en tournant un tout petit peu les pages, on retrouve donc au préalable donc beaucoup d'articles qui parlent de différents sujets qui nous tiennent à cœur, qui touchent à la fois les procès de Coco Pelli, avec en photo, comme vous le voyez, Blanche Magarinos, qui est notre avocate depuis très très longtemps, mais aussi, donc après tous les articles, de Pierre Rabhi, qui est le vice-président de Coco Pelli depuis le début, donc depuis mai 99, Bernard, l'ami belge qui a introduit l'agriculture biologique donc en Inde, avec qui on travaille depuis plus de 20 ans, et puis beaucoup d'amis et tout, voilà, toute cette antenne Coco Pelli qui est en Inde, et toutes ces choses. Et après, on arrive donc aux familles, vous voyez. Donc toutes les familles, on commence naturellement par le A, par les Aliacées, et puis après, quand on avance, Pierre Rabhi, donc fondateur de Terre Humanisme, Colibri, mais qui est aussi donc le vice-président de l'association Coco Pelli, dont on parle beaucoup en ce moment, par rapport à tout ce travail merveilleux qu'il fait et qu'il continue de faire. Et après, si on va un peu plus loin, donc on compte sur la famille des cucurbitacées, en déclinant donc toutes les variétés des différentes familles, Moscata, Pepo, Maxima, Piscifolia, et surtout, surtout donc pour apprendre aux gens à refaire leurs propres semences. Alors si c'est pas compliqué, naturellement, vous l'avez compris, pour les semences de courge, pour les semences de tomates, ça demande un tout petit peu d'attention, il suffit de laisser fermenter pendant 48 heures, et après on peut filtrer dans un chinois, qui n'est pas un chinois, puisque les chinois on les filtre pas comme ça, c'est juste un petit récipient qu'on appelle en France un chinois, il y a certainement d'autres choses. Voilà. Donc on met sous un robinet d'eau froide et toutes ces graines qui sont dans une gangue gélatineuse, hop, tout s'en va et on peut garder la graine d'une manière magistrale pendant 10 ans dans une boîte métallique au sec. Voilà. Et après on décline donc toutes nos variétés des tomates rouges, jaunes, vertes, blanches, zébrées. On n'a pas fait des carrés encore. Il n'y a que la société américaine qui fait une tomate carrée, elle s'appelle Svar, pour que ce soit plus facile à ranger dans les caisses. Mais là, voilà, nous, on n'a pas osé. On a des tomates côtelées, on a des tomates de toutes les couleurs, bigarrées, zébrées, ce qui fait qu'on a dû dépasser 1000 variétés de tomates différentes à Coco Pelli. Donc l'achat de ce manuel, vous l'aurez bien compris, hein, ça nous permet non seulement de faire vivre les 25 salariés de l'association, qui est quand même pas une petite affaire, hein, vous savez, vous connaissez les charges sociales, hein, le 15 du mois, à l'URSSAF et compagnie. Et puis aussi, ça nous permet, donc, comme je le disais au préalable, naturellement, pour permettre aux familles de refaire leurs propres semences eux-mêmes et d'être dans l'autonomie semencière et ne pas être obligé de racheter un sachet de semences hybrides et fins de chez X, Y, Z, A, B, C, D, les gens qu'on connaît bien, dans les GMS, grand magasin spécialisé en rien du tout, on sait bien, puisqu'il n'y a plus de jardinerie dans le sens d'une grainerie. Voilà, c'est les jardineries qui font des hybrides et fins, donc ça oblige les gens à retourner tout, au tiroir caisse tous les ans pour racheter leurs semences. Donc on est loin de l'autonomie semencière, on est dans la dépendance totale, et c'est ce qu'on nous reproche à Coco Pelli, dans le sens qu'on n'a pas le droit aussi de commercialiser des semences qui sont non répertoriées sur le catalogue officiel. Et le catalogue officiel, il était fait par qui? Et il continue à être fait par qui? Vous avez 30 secondes. Les grands coquins. Je ne dirai pas non, ça évite un procès supplémentaire. Voilà. Donc, si vous pouvez acquérir ce manuel, que vous gardez à vie. Ce n'est pas un catalogue, c'est pas la redoute, c'est pas monsieur XYZ de Nancy, je crois, il s'appelle. Et ça, on ne le jette pas en fin d'année. C'est pas du papier glacé, d'abord, dans un premier temps, et on l'utilise à vie. Donc, vous le transmettez à vos enfants et à vos petits-enfants. Vous n'avez pas besoin d'en acheter 10, et tous les ans, vous n'avez pas besoin d'acheter. Ce n'est pas un catalogue. C'est un manuel de production semente à utilisation et à usage familial. Une chose très très importante, et à Coco Pelli on s'entend très très fort avec ça, puisqu'on n'a pas d'hybride et fin, on est pour la semence libre, puisque lorsque Dominique a créé l'association avec Pierre, donc c'était le sous-titre, c'est pour la libération de la semence et de l'humus, donc la liberté totale.
Donc vous l'aurez compris, cette vidéo, elle est entièrement libre, libre de droit, au même titre que le petit film LSD, j'ai pas fumé, hein, LSD TSE, à savoir La semence dans tous ses états, ce film de Christophe Guyon, c'est entièrement libre. Vous pouvez le trouver, le film, donc sur YouTube ou sur Google. Quant à la vidéo qu'Alex nous fait en ce moment, elle est entièrement libre de droit, vous pouvez la télécharger et n'hésitez pas à organiser des petites soirées chez des amis. Et si vous avez un peu plus de monde dans une association à remplir une salle, j'arrive et on fait un petit débat ensemble et ce sera merveilleux, comme on a fait vendredi à Saint-Avertin, à l'Atrium, et comme on fait tous les ans. Merci à vous.